Ça fait déjà 3 semaines dans tête et primature là, mais nous pas jamais gagné opportunité pour nous et faire un petit parler avec la presse. Je suis certain que tu as gagné une impatience parce que moi recevoir plusieurs invitations. Même pas de répondre une après l'autre parce que moi connais gagné un pile membre de la presse parler écrite, télévisée et en ligne, qui t'a souhaité gagner en exclusivité avec le Premier ministre pour un petit bout de temps. Qui t'a commencé à expliquer le contexte qui fait que moi là, jeudi à devant nous, et comme Premier ministre pour un petit bout de temps. Pas oublier que le Premier ministre Joseph Jout est bail démission pour convenance personnelle. Président de la République là, il choisit un membre dans le gouvernement, qui est ministre des Affaires étrangères et des cultes, pour diriger Primature là comme Premier ministre pour un petit bout de temps. Donc, président choisit pour moi diriger comme Premier ministre AI. Et c'est un souci pour le voir un signal clair par acteurs politiques pour le dire, écoutez, moi, j'ai gagné une possibilité pour me choisir un Premier ministre définitif. Mais étant donné que maintenant, on dialogue avec Protagonistio pour aboutir avec un gouvernement d'union nationale dans la tête libre pour un Premier ministre définitif, donc, les dios, écoutez, prenons temps ensemble pour nous travailler, pour nous capables de gagner un gouvernement ça. Donc, c'est-à-dire que moi-même, qui là, comme Premier ministre pour un petit bout de temps, c'est un signal clair qui lancé pour nous joindre un dialogue pour le gouvernement qui pourra venir avec un Premier ministre définitif pour le cas assurer continuité de l'État, particulièrement dans deux grands chantiers qui sont chers et à président, mais particulièrement qui sont importants pour la démocratie. C'est le référendum constitutionnel là et c'est l'élection pour nous capables de renouveler le personnel politique là, mais particulièrement pour 7 février 2022. Qu'a gagné un transfert de pouvoir à un autre président qui est élu démocratiquement à travers les urnes. Donc, quittez moi expliquer rapidement que moi gagne une feuille de route qui est claire. C'est sécurité, sécurité et sécurité. Ça veut dire que moi-même, depuis mon TIA, c'est ça, président, ben moi, comme feuille de route pour moi travailler sur lui. C'est ça que fait. Depuis moi, monté comme Premier ministre pour un petit bout de temps, moi organisé pas moins de 4 CSPN qui gagnent là-dedans. On est capable de dire une qui sont CSPN élargis avec secteur privé à qui gagne un pile monde là-dedans qui concerné par question insécurité. Donc, gagner un ensemble de dispositions qui déjà prend. Gagner un ensemble d'efforts que nous-mêmes nous avons déjà consentis. Après le premier CSPN, quoi, un pile monde là est capable de constater, moi prends la rue, moi déplacé à dans différents commissariats, moi visiter unité spécialisée dans le PNH là, parce que nous connaissons depuis 12 mars, morale policière était en berne. C'était une façon pour moi-même de remonter morale policière. Ensuite, nous déplacer, visiter différents checkpoints dans Assoué, certainement avec l'état-major de la police. Là. Encore une autre fois, c'était montrer aux policiers dans quel niveau nous motiver et déterminer pour nous travailler ensemble pour nous capables de résoudre les problèmes d'insécurité. Donc, pour l'autre, nous sommes capables de dire décision qui prend, nous connaissons. Par exemple, nous avons posé conteneur Martissan, nous avons visité, bon, je dis ça tout à l'heure, et nous avons travaillé pour nous augmenter le budget et la police nationale, nous avons de nouveaux matériels et équipements qui sont commandés, nous avons réactivation service d'intelligence PNH, mais également au niveau du ministère et de l'Intérieur, et nous avons un ensemble de mesures que nous-mêmes et n'apprend et comme Premier ministre pour un petit bout de temps. Parce que je dis à les fondamentales et nous connaissons. Kidnapping là, les gagnants, dimension criminalité. C'est ça que fait et PNH là,
li pa dormi, pa dormi, qui te me félicite rapidement opération qui fait hier soir là par différentes unités dans PNH là pour laguer deux monde qui kidnappé. Donc je dis à li fondamental, li important pour tout le monde comprendre ça. Police nationale là li pa dormi. C'est vrai qu'il y a une insatisfaction et n'a travail effectivement pour nous adresser préoccupation yo qui en pile préoccupation, c'est des préoccupations légitimes par rapport à question insécurité a. Mais je dis a gagne en synergie qui pour créer entre police là et population. Contrairement à pratique commune, chaque fois qu'on kidnapping, eh ben nous choisit par exemple barrer route etc. Moi pas quoi que ça aide la police là. Au contraire, faut nous relier dans le numéro que nous connaissons, c'est 122, et pour nous collaborer avec la police nationale. Camper, barrer route, il n'y a pas résoudre le problème. Non. Au contraire, nous fait tort à la population, mais nous fait tort tout à moun yo kidnappé. Donc, je dis à, et moi, ben nous garantis, gagner effectivement de dispositions que nous apprenons pour nous croiser kidnapping là. Attaquer bandits dans le dernier retranchement que nous pouvons communiquer là. Mais ça m'a dit nous, c'est que la police là a travaillé, moi-même ça fait 22 jours, donc nous réaliser déjà 4 CSPN. Ça déjà exprimé volonté nous pour nous et adresser problème insécurité. Mais pas oublier. Insécurité, je dis, ce n'est pas seulement en dimension criminelle les gars. Les gars ont une dimension politique tout. Ou à comprendre coïncidence qui existait entre ou bien relation qui existait entre les nous pral tomber dans 7 février 2021 avec masse kidnapping qu'a fait dans le pays. Donc c'est un autre outil que de monde utilisé dans la société a qui de monde qui pas prêt pour engager bataille là de façon démocratique parce que nous allons organiser élection, yo connaît pas gain aucune possibilité à travers les élections pour yo prendre pouvoir parce que c'est ça au besoin à travers une transition. Donc dimension aspect ça li fondamental. Avant 7 février gon paquet kidnapping qui t'a fait dans pays là et nous disposer nous niveau police nationale là dans niveau CSPN là de bon gens intelligence et n'a travail n'a privé certainement sous moun sa yo qui yo même utiliser kidnapping là comme zam pour yo et ben abouti avec on ta capable di yon objectif politique qui visait à et faire président démissionner soit un an avant et la fin de son mandat. Donc ça li fondamental et pour nous comprendre c'est peut-être ça. Jean président toujours fait là li lancer et dialogue là, parce que pour le président de la République, là, le dialogue est permanent. Le dialogue est permanent. Gagné en pile, moun déjà acteurs politiques ou bien protagonistes qui mettent d'accord sous principe dialogue là. Parce que faut nous aboutir avec un gouvernement qui pour assurer continuité de chantier, ça y est, nous souhaitons parler là. Référendum constitutionnel là et élection qui vient pour venir là, pour nous capables. Renouveler personnel politique là. Donc là qu'on y a m'a seulement retenu la question nous puisque là gen CSPN nan qui accompagne et reste CSPN nan gen des questions qui probablement c'est ministre justice là ou bien directeur et police nationale là ou bien ministre intérieur et la trier qui capable et adresser ou bien répondre yo. Merci. Merci PM. N'a pas moi tout doit qui levé yo, yon après l'autre. On a regardé si le cas prend un maximum de questions possibles parce que c'est première conférence de presse Premier ministre à Ian et c'est première conférence de presse toute CSPN non, et qui réunit jeudi. Grégory Jean-Philippe, Radio-Télévision Caraïbe. Et bonjour, non pas monsieur Grégory Jean-Philippe, je travaille pour Radio-Télévision Caraïbe. Alors, et PM, il y a deux questions pour vous. Et première, c'est concernant la sécurité, donc c'est sous sa conférence là. Et grand pile monde dans la rue qui fait qu'on est que moment c'est pas pour parole, c'est pas pour belle parole, c'est action concrète qui vous posez. Et que et dans la police, gouvernement, il y a qui côté source insécurité pour que ça va parler à la source, pour bloquer
parce que chaque jour, on apprend la rue, c'est avec quai cassé, il y a veillé en haut, il y a veillé en bas. Donc, on a remis au poton une petite précision pour nous, qui est-ce qui pourrait le faire concrètement pour nous caraler en souffle. Deuxième question, il y a un docteur Original Boulos, qui a accordé une interview avec la Voix de l'Amérique, qui fait qu'on est que, et si d'aventure, le président Jovenel Moïse a quitté le pouvoir, c'est petit Claude Joseph qui pourrait le gagner pour diriger et nous pourrait le plus problème que nous trouvons une journée aujourd'hui. En déclaration par rapport avec et ça, docteur Boulos, dit sur la Voix de l'Amérique. Là. Bon, et. Je vais répondre à une question et si vous voulez, je vais commencer avec la deuxième et puis je vais retourner avec la première question. Écoutez, première option, je suis capable de dire, je réagis sur ça déjà, mais l'option qui t'a dit, le président de la République, là, pour le mettre clé en bas pour là, n'est pas même envisageable. Puisque le président est élu dans l'élection 2016, avec 56% des suffrages qui exprimés, il y a un résultat en janvier 2017, et prêté serment 2017, 7 février 2017, et nous connaissons en Haïti, un président qui est servi pour 5 ans. Donc, 7 février 2022, il va aller, mais il va pas aller comme ça. Il va aller pendant que l'a remplacé par un président qui est élu démocratiquement. Ça, c'est un exercice assez intéressant, c'est la pédagogie de l'alternance démocratique qui passait par le respect du verdict des urnes. Ça, c'est le premier bagage. Mais le deuxième bagage, c'est que je ne sais pas pour me remplacer ou pas, parce que moi-même qui est là, moi, c'est un premier ministre pour un petit bout de temps. C'est ça que fait le président, il choisit, parce que moi, je connais qu'il y a un pile. Démarche qui a fait pour nous aboutir à un gouvernement de consensus dans tête d'un premier ministre et définitif. Et troisième aspect, dans le pays, il y a un pile petit Claude, il y a un pile petit Moïse, il y a un pile petit Pierre, il y a un pile petit Joseph. Mounsayo, il ne doit pas sembler avec Réginald Boulos, mais dans la vie, il fait un pile effort parce que maman et papa fait un pile effort pour eux. Donc, Mounsayo, yo, et puisque yo prend tout le temps yo soit à l'école, et ben yo rappelé pour yo prendre de grandes responsabilités ou bien occuper de postes de responsabilité en pays. Donc moi souhaiter que et docteur Réginald Boulos et les comprendre souvle et dimension ça et regrette que le raté opportunité a pour montrer que il pas un monde qui ont approche discriminatoire par rapport à Ti Moïse, Ti Joseph, Ti Pierre, Ti John, Ti Grégory. Donc pour deuxième question à Grégory, et c'est pas parler puisque depuis mon terme tout ça fait 4 CSPN et faut te gon état des lieux sur situation sécurité qui fait et pour nous prendre mesure. J'aime dou là et gain équipement qui en route. Gagnent ou est bandit ou fâché parce que nous placer des conteneurs dans une matisan, ça veut dire que ça va faire au content. Donc il y a un pile mesure qu'a prend. Hier soir une opération qui menait c'est la police qui libérait et otage. Donc il y a un pile d'autres cas comme ça que et directeur général à la police nationale là pour parler avec nous pour expliquer nous qui ça la police là a fait clairement pour combattre l'insécurité. Magique. Bonjour PM, j'attends le Sénat pour le nouvel lycée Magique 9. Moi, j'ai deux questions. Une pour le directeur général et la police là. Nous communiquons sur la libération de deux otages hier soir dans le Canada. Est-ce que nous avons et dans ces circonstances, nous menons l'opération ça, qui bilan l'opération ça tout. Monsieur le Premier ministre et sénateur Joseph Lambert, tu es de passage à Jacques Mel pendant le week-end là. Il a fait appel avec une assistance militaire internationale pour capable venir résoudre le problème de sécurité à déloger Gagnon. Est-ce que vous avez une réaction par rapport avec la suggestion du sénateur Lambert? Merci. Bon, quittez-vous réagir sur la question Pamna et puis je vais passer le micro à directeur général de la police. Et le problème de sécurité, c'est un problème national. Et il faut que les solutions soient une solution nationale. Et c'est ça que fait la police nationale, là, les mobiliser, déterminer pour les combattre l'insécurité sous toute forme. Maintenant, et puisque nous avons des partenaires que moi-même habitué à travailler avec eux comme ministre des Affaires étrangères, donc il est toujours bon, par exemple, nous connaissons besoin d'aide parce que Zamio, ce n'est pas nous qui faisons. Balio, Bandio, Jeune, ce n'est pas nous qui faisons. Donc, il y a une série de monde qui a alimenté en munitions. Donc, dans ce sens, nous demandons et accompagnons
et souler en amont pour permettre que ça. Donc on a besoin yo dans frontière, on a besoin dans port yo, dans aéroport yo, en façon pour nous-mêmes nous capables limiter souvler et acquisition matérielle qui destiné directement à bandi yo. Merci. Le directeur général. Merci BM que vous avez l'opportunité pour répondre à la question, dernière question sur cas, dernier cas de libération d'otages que la police a fait hier soir. Je profite de saluer membre la presse qui est avec nous dans la première conférence de presse sous gouvernement Joseph Moïse. Et je dis tout d'abord, nous reconnaissons une recrudescence des cas d'enlèvement. La police a toujours été mobilisée pour prendre toutes dispositions le plus rapidement possible pour contrecarrer ou bien éliminer, réduire la quantité de cas d'enlèvement pour que nous connaissions enlèvement, kidnapping, appauvri et créer un pile de problèmes dans la famille. Pour faire face à ce problème, ça, la police a agi sur trois niveaux. Prévention et renforcement des capacités opérationnelles de police là, et répression. Dans le cadre de prévention, nous augmenter la présence de la police à travers de patrouilles mobiles et points fixes dans zone ou bien dans l'environnement zone côté kidnapping yo, fait yo. Renforcement des capacités opérationnelles, nous faisons demande et le gouvernement répond pour nous doter la police là d'engins lourds parce qu'il y a des cas faut qu'on fait pénétration dans zone qui a accès difficile et d'autres appareils de haute technologie pour permettre la police là monter opération et utiliser nouvelles technologies qui permettent nous rapprocher nous de lieux de séquestration et en matière de répression. Il y a des opérations, peut-être que la police n'a pas mis nous au courant de eux, mais il y a des informations qui sont collectées, qui sont traitées par entité, la direction de renseignement de la police nationale, et il y a des opérations ciblées qui sont montées pour libérer les otages, faire filature sous bandits, compiler les informations, faire interview, debriefing à quelqu'un qui malheureusement qui était enlevé des CPJ rencontrés avec eux pour capable collecter des informations pour monter et opérations dans le futur. Pour arriver dans une question directe qui était posée par rapport à l'opération qui aboutit à libération du docteur et petite Lee qui était en main des bandits, leur opération fut faite. Heureusement, première intervention. Première action par an, c'est informer la police. La police commence à travailler avec par an. À partir de travail, nous identifier côté. Alors, bandit fait Zakla. Et nous monter opération avec plusieurs unités de la police. Canard 50, c'est la défaite. Des unités de la DCPJ, Boyd et l'autre unité de la police, là, nous monter opération. Heureusement, nous libérons Mounio, sains et saufs, nous saisissons un fusil automatique. Il y a un bandit en échange avec la police qui est tombé. L'autre qui est en cavale et la police a pu chercher activement. Nous avons trois autres questions de Balbran, Métropole. Amélie Baron, Kiskea. Métropole, Amélie Baron, Kiskea. Métropole. Bonjour, merci, M. Éloge Mainforme, travaille pour Radio Télévision Métropole. Monsieur le Premier ministre, disposition, c'est des annonces qui sont faites depuis février, à date. Et honnêtement, on ne peut pas dire rien de nouveau là, par rapport à ça qu'on dit déjà. Juste en vous dit nous quelque chose de nouveau. Dis-nous ce qui est nouveau.
moi vous fais ça. Pour le directeur général de la police nationale, 2 février à date, combien d'otages la police libérée? Parce que l'impression qu'on a, c'est que souvent, les gens qui kidnappent, ils sont libérés soit contre rançon, soit suivant les bons offices, si vous voulez, des kidnappeurs, des ravisseurs. Si c'est vrai, la police n'a jamais paru efficace sans ça, qui s'est expliqué ça tout. Et puis, qui ça la police connaît de l'homme mort Kerbi Giffrard? Et au final, monsieur le directeur général, opération menée hier là, est-ce que la police est menée pour contre lui? Merci. Merci, Métropole, pour question ça. Qui ça qui est nouveau? Alors, dans le commencement, on n'a pas oublié que nous avons dit, et malheureusement, nous n'avons pas dit toute disposition qu'on prend dans la presse pour nous arriver. Adresser de façon efficace problème insécurité. Mais ça, je suis capable de dire, c'est que j'ai une peur bleue, la caille bandit, parce que je connais que nous avons privé sur eux. Nous avons privé sur eux, en deux dimensions. Nous avons privé sur bandit qui a fait opération, yo, mais nous avons privé sur éminence grise, sur monde qui pensait kidnapping, yo, parce que bandit, yo, yo a des ramifications. Donc, il y a un bon genre d'intelligence sur. Et on ensemble de bagages qu'a fait dans le pays, particulièrement sur le kidnapping. Ce n'est pas sans raison, Marion, président, dit gagner une motivation très forte. Et on est capable de dire de politique de kidnapping. Là. Et je pense que ça, c'est un secret de Polichinelle. Tout le monde qui a suivi l'actualité dans le pays, a une corrélation qui existait entre kidnapping là et ensemble de mouvements qui a fait dans le pays pour dire pour le président aller. Alors, l'important, ce n'est pas le citoyen lambda qui a fait kidnapping, mais le kidnapping, yo, politiquement, il a pensé quelque part. Donc, c'est extrêmement important. Ce n'est pas le monde qui est là où il a fait manifestation qui est derrière le kidnapping. Il faut qu'on soit clair sur ça. Mais la dimension politique, là, tout le monde connaît, même si un peu le monde n'a pas documenté. Mais je dis à ça, je suis capable de garantir, c'est que nous prenons toute disposition pour nous mettre le monde ça yo. Hors d'état de nuire. Merci. Pourquoi il y a 3 questions pendantes pour nous répondre par rapport à libération d'otages. Pour libération d'otages, nous avons dit le en cas d'enlèvement fait, la police là, sous information que je joue avec parents, avec cellules contre l'enlèvement, notamment avec parents. Mais toute disposition, toute action qui a monté, il fait en accord avec les parents. Pour le monde d'opération, même j'ai une opération hier, là, il y a un risque là-dedans. Donc si, côté localisé, là, donc, vie otage là qui est en danger. Si parents pas d'accord, la police n'a rien pour le faire. Si continue de travailler avec eux jusqu'à ce que les gens soient libérés. Et par la suite, il y a un compte qui fait avec les gens qui ont enlevé pour collecter informations, accumuler pour opération dans le futur. Opération hier là, son grain de la police pionnière, c'est la police nationale. Son grain direction générale, direction centrale que nous avons, police judiciaire, son seule cellule que nous avons, cellule contre enlèvement, toute opération dans le domaine de ça, enlèvement, est montée par des policiers de la police judiciaire qui ont 25 ans d'expérience dans le domaine. Donc, opération hier là, est montée avec la police, bien entendu, cellule contre enlèvement, avec des unités de la DCPJ. Et d'autres unités de la police nationale, telles que Boyd et leurs unités. Concernant le cas de Gerbi Giffrard, pardon, nous apprenons, même à tout le monde, que l'élément ça, nous avons assassiné. Il y a des photos qui paraissent dans la presse, la police garde des photos, yo. Mais jusqu'à présent, nous pouvons procurer un cadavre. Police judiciaire a mené une enquête
pour connaître qui s'est passé exactement. Mais en tant que PNH, nous ne sommes pas en mesure pour confirmer s'il y a un cas d'assassinat ou bien dans les ventes, ou bien disparition. Donc nous, la police a pour cas prononcé sous cas ça. Merci. Amélie, avancée ou dernette, Amélie Baron a question et puis c'est qui ce qu'il y a tout de suite après. Monsieur le ministre, bonjour. Je ne vais pas avancer plus près. Donc, Amélie Baron pour AFP-RFI. Ou par les priorités au gouvernement, c'est référendum. Nous tendez, nous connaissons, ça qu'au groupe t'a dit justement dans le dernier communiqué. Il dit que le processus là pour eux-mêmes, ils ont été préoccupés parce que vous ne sentiez pas suffisamment inclusif et transparent. États-Unis, secrétariat d'État, dit qu'ils n'ont pas financé étape référendum, étape ça, non, calendrier électoral haïtien. Qui réaction nous gagne face à la préoccupation communauté internationale sous affaire référendum? Merci. Merci, Amélie. Alors, qui te me dit d'abord que un référendum, c'est un acte de souveraineté. Il est essentiellement concerné, nous sommes capables de dire, les Haïtiens, n'est-ce pas? Et c'est eux-mêmes qui vont décider si oui ou non, est-ce que vous voulez un référendum pour changer la constitution. Fort heureusement, il y a trois sondages qui sont réalisés par deux firmes différentes. Yon Sebrid, qui ont expertise dans la question de réaliser sondage, il a réalisé deux sondages. Et résultat, deux sondages, ça a dit clair que plus que 85% population voulait une autre constitution. Il y a pile d'autres thématiques que vous abordé effectivement, mais qui était moins dit ça et deux sondages ça a été dit. Maintenant, il y a un autre sondage qui est réalisé par. Il faut me dire que dans deux premiers sondages, c'est des échantillons aléatoires. C'est-à-dire que, à plus que. Et puis, taille échantillon était vraiment grand pour spécialistes. Maintenant, il y a un deuxième sondage qui est réalisé par une organisation anti-gouvernementale qui est Haïti Nouvelle. Sondage ça a tout dit. Que 87% population li vle ont l'autre constitution. Donc, c'est population qui m'a dit ont l'autre constitution. C'est pas gouvernement et inquiétude qui exprimée de la part de nos amis de la communauté internationale, gain là-dedans qui très est fondé ou légitime. C'est peut-être ça. Nous-mêmes dans le gouvernement et nous demander pour comité consultatif indépendant à l'écoute de préoccupations communauté internationale là et comment pour y adresser. Effectivement, un référendum doit un processus qui est inclusif. C'est peut-être ça, encore l'autre fois. Le président l'a initié, ça fait un bon bout de temps, processus dialogue là. Dialogue là pour permettre que le gouvernement qui pourrait gagner avec notre tête, un premier ministre définitif, pour le cas assurer continuité de l'État, particulièrement dans deux grands chantiers, ça y est. Référendum constitutionnel et élection. Merci Hervé Noël, je travaille pour Radio Télé Kiskeya. Et merci pour le ministre. Donc, question c'est il y a un rapport avec l'annonce du gouvernement fait la paix, planifier question et dialogue avec la classe politique. Là, mais nous, parallèlement, le gouvernement a annoncé qu'en pile, nous avons fait. Et kidnapping ou bien kidnapping et motivé politiquement et nous dit clairement c'est des monde qui parlent que gouvernement que président Jovenel Moïse finit mandat et parallèlement nous annoncer c'est avec même monde ça on a fait dialogue mais qu'on retire un petit peu contradiction ça dans tête moi et pas non plus explication en ce qui concerne et comment nous pouvons amorcer dialogue ça parallèlement et que il y a des même acteurs ça nous identifier qui parlent Jovenel Moïse continue mandat parlent et à politiquement motivé question kidnapping. La deuxième question c'est pour le directeur général de la police là en ce qui concerne et préoccupation plusieurs monde qui en concerne et la police qui a bien policiers qui a impliqué dans la question de kidnapping et hier un incident qui passé là l'une ouais que et agent boy t'a tiré sous bien t'a et fait assassiner deux citoyens disons deux motocyclistes
mais que le directeur général il a police là, est-ce que le pas préoccupé par rapport avec toutes annonces ou toutes nouvelles qui a dit que il y a des policiers qui ont clairement identifié qui est impliqué dans la question kidnapping là? Merci. Bon, merci. Écoutez, et moi je pense que et gagner des nuances et que nous devons clarifier dans la déclaration et président. Sous question motivation politique qui gagne dans kidnapping là. On pas quoi gagne monde là qui pas connaît que eh ben un bon matin gagne une série de monde qui a kidnappé qui ou pas gagne aucun intérêt là-dedans pour kidnapper. Seulement intérêt qui gagne c'est pour faire secteur ça lui-même lui mobiliser et organiser dit à bas kidnapping et malheureusement gagne infiltration qui dit à bas président etc. Ça veut dire que gagner un kidnapping qui ciblé qu'a fait dans des secteurs bien particuliers, c'est des secteurs névralgiques yoyé en dans société a. Donc lien capable établi rapidement, mais ça qui plus important je dis dans classe politique là même gens en dans gouvernement gagne pile petit Joseph, petit Moïse, petit Pierre, petit Jacques, faut tout petit ça yo chita ensemble parce que dialogue politique là, accord politique là, c'est pour lui, c'est pour yo lié. Nous faut yo transcender dans le sens que faut yo pas quitter gain des mains cap mené yo qui pour imposer yo chita avec ti Moïse qui semblait même Jacques yo pour nous joindre un dénouement avec crise là. Policiers impliqués dans le cas de kidnapping, cas d'enlèvement. Je vais faire une précision. Un individu qui est en uniforme, qui va commettre un crime, n'a pas qu'à dire carrément c'est des policiers. Donc, en pile cas, il y a des gens qui portent uniforme la police pour nous faire acte malhonnête. Mais en tant que directeur général de la police, nous admettons en tant que même si dans tout pays, il y a des policiers qui choisissent faire ça malhonnête. Mais dans tout cas, ça, nous n'avons pas qu'à dire que c'est policier. Mais s'il arrive, nous reconnaissons qu'il y a des cas que nous avons traités, règlement de discipline générale de la police, là, inspection générale et loi pays, hein, nous prenons les mesures nécessaires pour nous. Tant des policiers sans inspection générale, voyez le dossier de la DCPJ. Pour finaliser l'enquête et remettre la justice dans le cas avéré que c'est des policiers en uniforme que nous identifions qui ont affectation et qui ont une activité qui est en service. Pour Kaboy, qui t'a impliqué dans l'échange, ou du moins dans le tir qui t'a gagné sous la lue hier, m'a profité. On me dit tout le monde, toute population, hein, que le cas d'enlèvement, la meilleure attitude à adopter, c'est d'appeler, de composer le 122. Et la police là, travaille avec vous, même si c'est une situation difficile, même s'il y a plusieurs cas d'enlèvement, nous avons pour responsabilité pour investiguer chaque cas. Mais là, le fait, première réaction, c'est bloquer la rue. Empêcher l'autre citoyen vaquer à l'occupation. La police a dit pour obligation. Moun ka bloqué la rue, prenez machine, croisez-vous dans la rue, mettez camion sable dans la rue pendant que moun l'école, moun dans le travail, la police là, il est là pour mettre l'ordre. Et même sous pour ou contre l'activité de la police là, il faut le mettre dans le temps pour que à 10h du matin, 11h du matin, le moun yo sorti à 5h, 6h du matin, à vaquer à l'occupation, nous avons pour obligation pour assurer que route yo, quelle sécurité là depuis tourner la caillou. Nous allons investiguer ce qui passé hein, si c'est vraiment des tirs qui fait des mouns, des citoyens paisibles tombés. Mais généralement, dans la plupart des cas, il ne s'agit pas de citoyens paisibles. C'est des mouns qui sont armés, qui ont bloqué la rue et la police a supposé faire ça pour le faire. Merci. Merci, merci. Merci à tous les journalistes qui étaient présents dans l'occasion conférence.
a passé la parole à Premier ministre qui a fait en conclusion rapidement. Bon, et remercier encore une fois tous les journalistes qui fait déplacement. Ça fait nous 3 semaines, ça veut dire 22 jours dans tête primature. Constitution fait nous rester 8 jours au maximum. Donc, c'est-à-dire que c'est 30 jours pour nous passer là. Nous demander acteurs politiques, nous mettons ensemble pour nous capables vraiment aboutir avec un gouvernement et d'union nationale qui a gagné en tête li, un Premier ministre définitif qui vient pour lui assurer continuité de l'État dans 2 grands chantiers et qui pour renforcer la démocratie en Haïti, à savoir référendum constitutionnel et élection. De telle sorte que 7 février 2022, nous gagnons un renouveau